Non, il me faut de la mana, je vais jouer pas qu'à distance. Par contre, faut pas que je le laisse trop roam en fait. Vraiment, contre Soraka, oui, mais là, par contre, vous êtes vu les gars. C'était quoi ce cheese de merde? Vladivir va dodge trop facilement tes spells. Oui, mais non, mais les gens, je suis pas en bronze là. Hein. Je veux dire, oui, il va me les dodge, mais j'aurais pris n'importe quoi, il allait les me dodge en fait. Vladimir, je vais juste farm le mid late game. Il fonce sur mon équipe, je fais W. Non, je fais mon Q. Genre, je fais mon A, mon Q là, comme vous voulez. Il fonce sur mon équipe. Bah, pour esquiver, soit il sidestep. Dans ce cas-là, bah bravo à lui. Soit il fait sa flaque. Dans ce cas-là, dès qu'il arrive contre mon équipe, il est vulnérable et il se fait défonce. Donc, ça dépend. Hein. Peut-être que je vais me faire pisser dessus, mais. Là, je vise vraiment mid late game. Je vais arrêter d'utiliser ma mana là, je suis en dessous de 50%. La botlane a besoin d'aide, la Camille a perdu tellement de temps à la top lane. Faudrait que j'aille en même temps que Camille pour le gank en fait. Je vais essayer de synchroniser la lane plus moi là. Qu'est-ce qu'ils foutent? Oh, vous pouvez pas attendre 2 secondes les gars. RIP. En fait j'ai peur qu'il me flash ignite en fait, ça peut aller super méga vite. Même si j'ai une barrière, ça peut aller très vite. Je les finis pas là, les. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai assez, je vais avoir assez finalement, c'est cool. Ouais, normalement. C'est bien. J'avais besoin de back. Là, il a un... Parce que lui, en fait, il a un compte à rebours. Bon, moi aussi, j'ai un compte à rebours vu que mon équipe est en train de perdre. Mais vu que moi, je vais scale beaucoup plus que lui, j'ai mes bots, j'ai la CDR, j'ai les 10% qui arrivent, j'ai le storm machin. Lui, il doit tenter des trucs en fait. Ils sont tous en train de perdre. Unlucky, c'est tout, hein. Barrière en trop, non? C'était limite, je pense. Je voulais scale en fait. Du coup, j'ai oublié de leur dire de jouer. Safe. Et là, le 6-1, il fait mal. Hein. C'est dead. Je pense que c'est un petit peu dead, là. Et le problème, c'est que Lee Sin est tellement faible dans sa partie que... Là, je vais pas pouvoir dépasser ce cercle-là. Sinon il va me one-shot en fait. Mais là il peut me one-shot mais d'une force. C'est assez insane. Nice, ils ont catch le Lee Sin. En vrai, c'est parce que là c'est extrêmement rare ce qui se passe dans la game, c'est que personne ne tilt. Ils sont pas en train de rager, c'est pas mal du tout. C'est marrant, il a genre une macro le Vladimir. À chaque fois qu'il fait son W, il fait... Oh le bâtard! J'ai trop mal joué. Nice, bien joué. Ok, on est back dans la game là. Là, on est back dans la game. Il va faire sa flaque. Ok, on est dans la game là. C'est bon. On est revenu. Parce qu'il n'y en a pas un qui a putain de tilt. Et qu'est-ce que ça fait plaisir quand il n'y en a pas un qui balance tout le monde, genre. Qui flemme tout le monde. Oh, ça fait plaisir. Ça, c'est une game dure, tu vois. Genre, tout le monde perd, mais oh, ok, pas de soucis, mec. On scale. On voit comment ça se passe, la game. Il n'y a pas eu un mec qui a flemme. Genre, c'est insane, en vrai. C'est trop, trop bien. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il me shot comme ça. Il est big comment lui? Ok, bon. Après, Urgot, il a pas de kill, mais il n'a pas vraiment besoin non plus. Là, il faut que je trouve des. Ça, c'est pour le Lee Sin au cas où. Allez hop. Super silence de Soraka, hein. Je comptais sur elle pour le silence. Sinon, mon combo, il partait dans le vide. Mais il est peut-être juste ici en fait.
Il respecte pas Lee Sin. Merde, je voulais pas caps lock. Là, le gros problème, c'est que j'ai pas du tout envie de partir sur un Zhonya en fait. Et je vais devoir être obligé parce qu'ils vont être trop fades. Là, le Jin, je pense qu'il met une auto-attaque. Je prends 50%. Lee Sin, il fait son combo, je suis mort. Et j'ai pas envie de prendre le Zhonya parce que j'ai pas envie d'être un. J'ai pas envie de temporiser en fait. J'ai vraiment juste envie de bien me positionner. Et laisser mon heal kit crever au pire et de faire le taf derrière. Ah putain, je les tue même pas avec un E là. Je vais devoir attendre le écho. Lui donner quoi à chaque fois. Je one shot pas. Ah oui, il a un coup près noir le bâtard. J'ai pas vu ses codes de son point de vie là. Normalement, je le tuais. Ah ouais, d'accord, bah c'est du. J'ai cru qu'ils allaient tous aider la botlane. Bon bah, on a perdu l'inhibe là. Pourquoi je suis. Pourquoi on est 2v4 là? What the fuck? Mais c'est quoi? Leur macro game est à chier de ouf hein. C'est insane en vrai. Ah non, on a perdu 2 tours là, c'est. Bah ouais, c'est bien, triple kill, GG. Ça sert à rien. Je comprends pas pourquoi il y en a un qui est top en train de farm au KLM, il y en a deux qui chase un mec à la botlane, genre. On a le pire dragon là. Parce que là, c'est la Camille qui a pris tous les kills en plus. Et cette Camille me fait peur en fait. T'as pas le droit de faire check comme ça, mais c'est un délire en vrai. J'ai pas le droit d'ici. Il est signé me cul, je suis mort. Moi, je vais juste catch des gens en fait, c'est juste mon travail, genre. Je suis en mode hyper carry. Je touche, il est mort, c'est tout. C'est pour ça que les objectifs, normalement, ils vont pas pouvoir les prendre si je suis en vie. 5% de CDR. Là, je peux prendre un Zhonya après. Parce que si j'ai pas de Zhonya et qu'ils sont trop fades en face. Oh putain, j'ai trop mal jaugé. J'ai trop mal jaugé mon ultime. Ok, la Camille a fait un bon taf par contre. J'ai rien fait dans le fight. Je vais pas vous mentir, j'ai rien fait dans le fight. Peur qu'il me défonce. Putain, j'ai west ma barrière et je me suis fait catch. Encore une fois, l'ADC qui reste seul. C'est hallucinant. Dans toutes vos games, vous allez perdre beaucoup de vos games parce que l'ADC reste seul. Perdu celle-là. Hein. Ça veut pas passer. De Urgot, le kick de Lee Sin, ça peut temporiser en vrai assez. Là je suis à 508 là. Les dégâts qu'il met!
trop bien positionné en fait. J'étais trop bien positionné, putain. Le Darius a bien joué, hein. Fallait qu'on fight ici. Hein. Moi j'étais trop bien positionné. Non mais reset non? Non reset? J'aurais bien kiffé reset là. Si un mec qui se montre, je le tue mais non. J'ai niqué mon ultime comme une merde au début. Parce qu'avec l'élixir, je fais tellement mal au tour en fait. 3 secondes mon ultime. Je vois rien, je sais pas ce qui se passe. J'étais tellement pas prêt à cet engage. Holy moly. Je dois pas mourir moi en fait. J'ai mal joué parce que je savais pas ce qui se passait en fait. Je déteste quand ma caméra est comme ça, je vois que dalle. En fait, sur un truc comme ça, je peux pas voir de très loin en fait. Je vais essayer de défendre l'ennemi, mais là, vu qu'il n'y a pas de tour, ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de les avoir de l'autre côté. Défendable, ça, je pense. Putain, j'avais pas vu le Darius, what the fuck? Ils ont pas besoin, non. Juste prendre l'assist, là. En fait, là, il s'est passé un truc que je déteste. C'est les fights ici. En fait, tu peux pas dézoomer assez, en fait, avec Lux. Et moi je vais à 1m2, je suis mort. Du coup en fait je dois à la fois regarder ici, à la fois regarder là, sauf que si je regarde là, mon personnage je le vois plus en fait. Je déteste les fights comme ça en fait. Il me faudrait genre un truc pour dézoomer en fait. 6.5. Merci UPersonne78 pour ton abonnement. Pour le deuxième mois, bon, je reconnais maintenant, ça fait 2 mois là, sur la chaîne, et tu peux me faire un petit dédi s'il te plaît. Ben, merci à toi. Merci beaucoup. Ça fait back la DC. Hein. Il a pas de lifesteal. Donc là, en faisant back la DC, on peut faire le baron par exemple. Juste avec mon R, on fait le baron. Oh, je commence à faire mal là sur le Urgot. C'est cool ça. Lui, il fait une erreur, je le tue. C'est pas mal. Oh putain, je suis un monstre. Bah GG wallplay quoi. Bah là c'est baron. Oh le sixième sens, je le sentais. Ouais, faudrait peut-être qu'il y en a un qui back peut-être. Ah les bâtards. Que je devais back ou pas parce que là on... Perds pas ton ange gardien bâtard. C'est bon. Allez! Putain, on l'a gagné, what the fuck! Mec, c'est compliqué League of Legends en fait. Par contre, non mais sérieusement,
c'est extrêmement rare quand j'ai pas une équipe qui tilte et qui arrête de jouer alors qu'ils sont tous en 0-2 à 5 minutes de jeu. Oh, les beaux gosses. En vrai, juste le fait qu'ils ont pas tilt, c'est une de mes meilleures games de LoL. Ils ont un petit peu insulté, mais ils ont continué de jouer, en fait. Il y en a pas un qui s'est offusqué. Putain, GG. Non, mais ils ont tous... La Camille qui était en 0-2-0-3 au début, qui a remonté, GG, quoi. Bien joué, bien joué. Très, très bonne game, ça. Très, très, très bonne game. Et vous voyez le gameplay de Lux, pourquoi j'adore Lux, en fait. C'est qu'en fait, ton équipe peut perdre, et tu joues derrière, en fait. Tu pars full AP, et tu piques des gens, en fait. Tu pick up des gens, un peu comme Zoé avec son E. Et je trouve ça trop bien. Du coup, voilà, pour ceux qui voulaient voir de la Lux, c'est pas un champion très dur à jouer. C'est juste son positionnement qui est un petit peu plus compliqué à Lux. Parce que le moindre positionnement, tu peux te faire one shot en fait. Mais ça s'apprend avec le temps. Donc voilà. C'était Lux, les gens.